Maxime et Romain, vous voilà dans un instant ordonné. Vous pourrez offrir à vos frères l'immense grâce du sacrement de la réconciliation. Permettre à tout homme d'être libéré d'un passé qui l'accable, pour accueillir la miséricorde du Seigneur et devenir lui-même un être de miséricorde. Y a-t-il parole plus belle et plus forte en ce monde ? Et voilà que, dans quelques instants, vous allez pouvoir partager à vos frères le corps glorieux du Christ ressuscité. Vous allez tenir dans vos mains le cosmos, celui qui est l'alpha et l'oméga, l'origine et le terme de toutes choses. Maxime et Romain, vous voilà envoyés à tous ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Soyez des hommes de prière. Laissez-vous aimer par le Seigneur. Soyez des hommes de fraternité et d'unité en Église et dans le monde. Soyez des hommes de charité, tournés vers les pauvres, que nous sommes tous. Soyez des hommes en constante formation, assoiffés de la parole de Dieu. Soyez des hommes en constante mission, en ne cessant d'offrir le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie à tous vos frères.